Yo les potes, dans cette vidéo les gars, on va s'intéresser au nouveau top 1 de Corée. Les gars, regardez, il a 300 LP d'avance sur le 3ème. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et quasiment 300 LP d'avance sur le 2ème aussi. C'est une dinguerie d'avoir autant d'avance en termes de Elo. Et les gars, il est monté avec Rakan. Il a 72% de win rate avec 64 games contre le top 100 coréen. Et du coup, dans cette vidéo les gars, on va tout simplement regarder un peu comment il fait pour être aussi fort, comment il fait pour autant faire la différence. En vrai, c'est hyper intéressant à regarder et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Et pour rappel les potes, il vous reste que 5 jours pour profiter du tirage au sort les gars, le jeu de votre choix. Vous avez juste à cliquer sur participer, choisir votre jeu et vous allez pouvoir gagner Diablo 4 ou peu importe. Et donc tout ça grâce à mon partenaire. Vous avez le lien en haut de la description les gars et en haut du commentaire YouTube si vous voulez aller checker. Ça prend 4 secondes à faire et ça peut être big. Et sur le site évidemment vous avez également beaucoup de jeux qui sont énormément réduits si vous voulez faire des économies pour acheter un peu un jeu qui vous tente. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, je vous laisse avec la vidéo les gars, bonne vidéo, enjoy. Et je pense que vous allez kiffer, la strat de Rakan est vraiment trop forte et c'est une dinguerie. Et profitez pour essayer de faire le tirage au sort, ça prend 30 secondes à faire et peut-être que vous allez pouvoir gagner le jeu de votre choix. Bisous, enjoy les gars. Ok, on est parti les gars pour regarder un petit peu comment va jouer Kaelin. Donc Kaelin qui est ici du coup, qui est donc le meilleur Rakan probablement du monde. Hein. Je pensais que c'était Kyria, mais les stats qu'il a c'est juste abusé. Il est numéro 1 du ladder coréen avec 300 LP d'avance sur le 3ème, 200 LP d'avance sur le 2ème, 300 LP d'avance sur le 3ème. Et il a 72% win rate en 65 games. Vous allez voir que là on a choisi une game justement, game difficile. Vous allez voir que même dans les games difficiles il est très très fort. Donc là la ward ici, pour voir s'il n'y a pas un level de gang de Lee Sin probablement. Alors il a skill up son E, il a skill up son Z. Le E ça permet de dasher sur un mate. Quand vous le faites une fois vous pouvez le refaire. Ça donne un petit bouclier, c'est pas mal. Et surtout ça permet à Rakan de se déplacer évidemment. Rakan aime bien avoir par exemple un perso mêlé qui va au corps à corps. Je sais pas, genre un Wukong. Wukong qui dashing, qui ulti, ça bump, il rebump par dessus. Pendant le game il joue très safe. On voit qu'il a pas skill son Q spell. Il est avec une Xayah hein, on rappelle, ils ont un passif commun. C'est le fait de fast back, qui est pas mal. Waouh. Oh la transition level 3 là qu'il lui a mis. Oh la dingue. Ok on va revoir. Il s'est fait démolir hein, le ref. Hein. Là regardez. Il dashine level 2 au moment où le creep n'est pas encore mort. Donc vous voyez que là il dashine au level 2. En plein sur la gueule de la Kaisa pour lui forcer à la flash out. Ou alors elle se prend le bump. Elle gosse mais elle se prend le bump quand même. La Xayah qui est pas bête qui finit le creep comme ça il y a la transition level 3. Ligna qui claquait directement. On n'est pas encore level 3 en face. Heureusement, le Nautilus trouve un très bon dématérialiseur. Nautilus dématérialise le mob pour passer level 3 et on désengage. Mais là, c'est méga clean. Hein. Nautilus qui arrive sous la tour, la Kaisa qui a été forcée à back. On a fait perdre énormément de farm. Rakan, c'est pas un personnage, je pense, très très fort en early, mais ça reste quand même largement jouable. Il a bien joué le Nautilus. Il a essayé de bait le back de la Kaisa, mais il est pas tombé dans le panneau. Il a pas back. Je suis assez étonné par contre qu'il est pas back. Il est resté pour aller tenter d'agresser la Kaisa et trade des HP sur elle. Il va sacrifier des points de vie pour essayer de la tuer dès que la Kaisa arrive. Il a voulu cheese la Kaisa, mais la Kaisa a pas fait l'erreur. En gros, si la Kaisa s'était avancée, il l'aurait bump pour lui forcer à vous flash out, hein. Elle aurait dû flash out. Là du coup il a pas pu shop. Ok il bump quand même le Nautilus in. Dash out sur la Xayah. Là il a pas shop donc pour l'instant c'est encore un peu une merde. Il y a quand même des bots en face sur le Nautilus. Il a encore son flash ouais. Il y a plus de ghost sur la Kaisa mais bon c'est ok. Elle joue que sans cleanse hein, du coup on rappelle. Ok tentative de grab. Pas mal le bump. On bait le grab et on Z le Nautilus qui prend vraiment énormément de dégâts. On n'est pas naïf. Oh là là, le bon sidestep de la part des petits pas de la Xayah aussi qui sont très très propres. On s'ajoute très très bien, hein. Forcément, pas se mentir. Là, on est sur du top ladder. Je connais pas Rael, mais a priori, c'est sûrement le joueur des Dame One Challengers. Parce que du coup, Kaelin qui est ici, donc c'est le support des Dame One, les gars. C'est un excellent joueur enchanteur aussi. Même si je trouve que Rakan, c'est un peu un semi-enchanteur. C'est un enchanteur un peu go-in, quoi. Ok, il est mort là, je pense. Oh, il a resté jusqu'à la fin, mais il s'est fait ignite. Et il a réussi à survivre avec le shield. La Xayah qui a plus beaucoup de vie. Par contre, il a plus beaucoup de mana, mais par contre, elle est full vie. Donc, c'est ok. Hein. Ils ont trade l'HP de Kaelin pour les HP des autres. Attention, par contre, le flashing de la part de Lee Sin, ça va être dangereux. Backup de la part de Viego. Et on va les engager. La grappe qui va pas toucher encore une fois. Le Guardian, ça a l'air vraiment, vraiment fort. Hein. Je pense qu'il faut jouer Guardian. Hein. 72% de mirage pour être promet du ladder. Je vais pas te mentir. Je pense que c'est ok. On récupère la pink. On récupère de la pression. Parce qu'à Nice, c'est très dur d'aller contester les pinks s'il a pas la prio sur la lane. Et il aura pas trop la prio hein, contre un Azir. Retour en bot lane. Toujours le flash sur Xayah. Il y a plus de flash sur Kaisa. Donc il a gratté le flash en face. Donc sur le level 6, il y a moins que ça kill. Hein. On est sur sa transition level 6. Il va sûrement flash in la Kaisa. Flash, R, Z. Tout lui mettre. Et à mon avis, elle va imploser ses grands morts. Hein. Donc petit Q-spell pour lui gratter des PV. Bien esquivé. Pas si facile, je trouve, en vrai, à mettre le Q-spell de Rakan. Ça n'a pas une portée de zinzin. Ok, là, la transition level 6, là, il le sait. Oh, encore une fois, hein, l'agression pour la transition level 6. Mais non, on a pas pris le level 6. Il faut qu'il tue le sbire mêlé. Non, le sbire mêlé n'est pas mort. Aïe, aïe, le sbire mêlé qui aurait passé level 6 sur le Rakan. Aïe, 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 dommage. Si la Xayah tuait le sbire, il passait level 6 et ils auraient pu all-in Xayah. Même si elle était passée déjà level 6, donc elle avait quand même son ult. On désengage, on va retrinket tranquillou ici. On va récupérer la pink. Très bon travail de vision, encore une fois. La bonne zombie ward. Ça met bien contre un Lee Sin.
Ok, il bait un peu là, il fait croire qu'il a rotate. Hein. Là, il fait croire qu'il est en free roaming parce qu'il sait qu'il n'y a pas de ward à gauche, il n'y a pas de ward au niveau du push. Donc là, il fait croire qu'il est en train de roaming sur le mid pour potentiellement que le Lotus ait envie de par exemple flash ulti grab. Parce que s'il fait ça, du coup, il va se faire contre-engage et il va prendre Bagdad. Hein. Donc là, il full bait. Ça joue très 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 bien avec la vision côté Kaylin là. Nautilus, oh c'est propre, oh, c'est vraiment très très propre. Hein. Très bon flash là de Nautilus, il va peut-être survivre mais c'est vraiment très très bien joué. Nautilus a très bien réagi, probablement son ulti en side pour éviter le rappel de plume. Propre le décalage, le flash là de la Xayah, bien joué le rappel de plume. Le R, est-ce qu'on a un Z? On n'a pas de Z malheureusement, c'est trop long pour l'instant, cooldown c'est 13 secondes. Et on va récupérer le push mais extrêmement bien joué. On a fait croire qu'on avait rotate vers le mid, après on avait croire qu'on avait reset. Quand Nautilus veut reprendre de la vision, eh bien il se fait full lean. Il trouve un très bon flash, heureusement sinon il se serait fait one shot hein, tout simplement. Irakan qui repart à nouveau vers le mid pour aller reprendre de la vision. Ok bon il s'est fait chier dessus au mid. 0-4 la Annie, bon elle vaut plus beaucoup de gold, c'est déjà ça. Le jumpy, le Z, touche les deux joueurs propres. Très bon Z au milieu des deux joueurs. Alors il n'y a pas de follow-up, il n'y a rien à faire. On récupère ça, on récupère de la vision autour du dragon. Très bonne ward ici encore une fois. Il a eu un délai à ça tout à l'heure et en vrai c'est smart. Oh là là, la vision qu'il pose. Enfin, il prend une vision de fou. Hein. Regardez la vision que les rouges ont, ils y voient toute la map frère. La vision des bleus au niveau du top side, elle est juste incroyable. Mais la vision des rouges au niveau du bot side, elle est vraiment exceptionnelle. Ok, la Annie qui récupère le shutdown, elle récupère 600 boules. C'est une bonne mauvaise nouvelle. Oh là là, c'est trop bien joué. Oh, il a pas eu de chat. C'est trop bien joué ce qu'il a fait là. Là, il reste en dehors de la vision pour faire croire qu'il est pas menaçant. Là, il prend son creep. Et là, il y a le TP. Et là, il reste le plus en retrait possible. Il E-in vers son mate. E-in, flash Z instantanément. Et il a eu tellement de chat avec sa Kaisa parce que si là, le R touchait, il se faisait charm into bump. Il était archi mort. Hein. Donc là, il est peut-être mort quand même. Mais il a peut-être une petite chance. Il s'est fait charmer quand même. Et il arrive à mourir quand même. Extrêmement fort. On se met devant côté Poppy. Ouais, il est fort, hein. En vrai, il est vraiment monstrueux, hein. Bon, moi, j'aime beaucoup Rakan. Pour le coup, je trouve que c'est un perso extrêmement playmaker et extrêmement puissant. Mais ça reste quand même un support, quoi. On va pas se mentir. Donc là, il va tout le temps se mettre ici. Il reprend de la ward ici. Il reprend de la vision ici. La zombie ward. Ok, le grab ici. Il a pas d'ulti, donc ouais, là, c'est chaud quand même, hein. Ok, très bon air de la part de. Très bon air de Viego pour cancel la nuke. Ça aurait été compliqué sinon. Ok. Ok, on va vraiment deep. Est-ce que la Poppy pourrait pas trouver un stun sur Azir par exemple? C'est très très risqué. Hein. Y a pas la Xayah pour reculer. Bien joué le bait. Il bait le grab de Nautilus. Personnellement j'aurais pas osé. Attention, hein, la Annie a plus beaucoup de vie. Elle a son flash. Non, elle a pas son flash. Ouais, elle va servir à rien là. Pour l'instant là, la Xayah prend des gold. Elle vient prendre une tourelle toute seule. C'est pas la first mais. Ouais que. Elle a... Non, elle a pas eu la force. C'était top. On perd pas de temps. On back. On reset les stacks de l'item support. On va prendre le Shurelia. Shurelia qui va beaucoup aider le perso. Donc il est en 1-0-2. Mais il a fait un très bon taf. Malheureusement, la game, il y a 4000 gold d'écart. Le top est très derrière. Hein. Il y a probablement 4 plays, 5 plays d'avance. Au mid, c'est même plus on est derrière. On est vraiment au fond du gouffre. La mid lane, c'est la crise de zinzin. Bon, je pense que Rakan, ça vaut vraiment le coup d'entraîner parce que je pense qu'il y a peu de monde dans lequel le perso n'est plus jouable. Il y a des moments où peut-être il sera un peu moins méta. Là, bon, je pense que le perso est vraiment très très fort en vrai. Le fait d'avoir un charme, un airborne et deux repositionnements, c'est vraiment vraiment propre. En plus, le cooldown du sort, vraiment 10 minutes de zinzin. 6 secondes 9 au maxé. Ok, oh, c'est clean. Hein. Oh là là, c'est clean. Oh, c'est clean, hein, putain. Extrêmement clean. Allez, il vient de récupérer son flash. Il le joue on CD. Hein. Il joue avec lucidité. Le Nautilus qui tente de le temporiser, c'est propre. Mais regardez ça, les gars. Ulti, Shurelia. Il se rapproche. Il met un flash Z parfait. Le Z, encore une fois, derrière le joueur. Du coup, ça touche. Le charme touche. Le charme qui connecte avec le Airborne. Et bah, il se fait one shot, hein. Il se fait cesser derrière, c'est terminé Fito. Et là il vient de donner le fight hein. Il vient de donner le fight. Nautilus il pourra rien faire. Il carry de zinzin hein. Franchement pour l'instant sa game c'est une masterclass hein, vraiment. On rappelle les gars, il a 72% win rate les gars sur 65 games et c'est son perso le plus joué. Son deuxième win rate c'est 51% avec H support. Vu qu'avec H support il a 51%, avec Rakan il a 72%. Hein. On avait commenté Katewa qui était le meilleur support de Corée. Il avait 65%, c'était 63-64, c'était déjà absolument un miracle. Hein. 72% en étant premier du ladder avec 300 LP d'avance. Il déward extrêmement bien. En plus ce perso est super mobile, il est partout frère. Il essaie de contribuer à toutes les wards pour pouvoir transformer ça en zombie ward de partout. Il back encore une fois pour reprendre encore une fois des pics, il reprend des items, il reprend 4 wards. Ok, l'agression topside, il est mort. L'ulti qui a été claqué, le kick de la part de Lee Sin, le Z. On pourra pas connecter malheureusement. Il y a la tour de Azir, ça va être chiant. Pas si facile là ce fight en vrai. Ok, il y a la nuke, on va Z out tranquille. On va juste désengager, je pense. Donc là, il suit bien son mate. Le E sur lui, le Z qui est très bien placé. On a encore le E pour se repositionner. Okay, on va sûrement y aller avec le Z. On force le flash, c'est propre. Oh, waouh.
Ils ont pas le time. Et on vient de mettre une pression sur le Nash. Alors je suis pas sûr qu'ils arrivent à le faire parce qu'il y a Lee Sin quand même. Le Gnar va TP. Le Gnar est en train d'arriver. Ouais, c'est chaud hein. Le line de Zinzin. Bon là, faut pas que le Viego rate son smite, sinon c'est Verio. Bon sidestep là, les bons petits pas. Il était invisible. Il prend Bagdad. Oh là là, Nice s'est fait chier dessus. Oh non, oh non. Oh non. Oh non. Oh la première mort, c'est ça, wesh. Oh non, non. Oh, horrible action, frère. Oh, la Poppy qui arrive tellement tard. La Annie qui se fait one shot. Oh, c'est un drame. Hein. Bon, le fight était vraiment risqué, il s'en doutait. Première mort, c'est ça, mais bon. Ah, c'est triste en vrai. Oh là là, il récupère le Nash en plus. Oh, oh là là. Oh la tristesse, frère. 71 de vision à 19 minutes. Ouais, c'est insensé. Hein. La vie de ma mère, il est trop fort. Par contre, là, la tristesse du ce qui vient de se passer. Hein. Ok, le Z propre. La Red Trinket qui le révèle. Après, il est tellement tanky, frère. Le Gnar est tellement en AV. Enfin, il est tellement fed. Le Azir et le Gnar sont tellement feed. Enfin, il s'est fait one shot. Ok, mon deuxième mort. Mais bon, il se défend. Hein. On va pas se mentir, il joue très bien la game. Même s'il est mort, c'est pas vraiment sa faute, je pense. Le Azir, c'est littéralement l'homme le plus riche de la game. La game semble un peu perdue, mais on va regarder comment ils vont se défendre. Oh là là là. Oh là là là, ce qu'on vient de voir. Encore une fois, il a son flash. Et regardez l'engage qu'il va faire. Le stun de la Poppy. L'ulti directement, le Shurelia, le E qui est claqué, le Flash Z encore une fois, il est airborne d'un joueur, charme, double airborne sur les deux carry, il y a juste lui qui est pas là, ils se font tous les deux one shot, le charme qui n'est pas fini, ça y est le farm est fini, il peut jouer, mais c'est un peu too late, hein. Il est sûrement dans la sauce avec sa Kaisa, est-ce que la Poppy peut le rattraper, malheureusement non, ok il chase, Rakan qui est là, il s'écarte, il lui redash dessus. Oh là là. What a Rakan, hein. Ok, l'Axel qui a pris la tour, mais ils ont bonus de gold. En vrai, c'est worse, hein. Elle crève, mais elle prend 500 gold pour son équipe. Donc, elle prend une tour plus 500 gold, donc 750 gold. Pour donner 300 gold, sachant que la game, elle est un peu chaude, on va pas se mentir. Hein. Oh putain, il a pris 95% HP. Il a Shurelia, non, il a pas Shurelia, malheureusement. Il a pas Shurelia, il a pas flash, donc c'est pas facile. Oh, oh le flash T-burst de la Annie, sa mère. Oh bordel, c'est un terroriste, lui, par contre. Hein. Oh, le flash était pas fou, hein. Sa mère. Ok, bon, il a ulti pour follow le move de la Annie, mais la Annie a arrêté son move, dommage. Simer Sky, seulement dites-moi d'abo, Sky, merci pour tout ton contenu. Ah, oh, merci mec, c'est gentil. Ah, ça finit, merci Kissel pour soutenir le contenu, ça fait plaisir de zinzin. Ok, il prend Bagdad, il faut qu'il arrive à temporiser, il se fait il a un petit peu avec le Q-spell, le dash out se temporise au maximum, le cancel de dash. Il y a moyen qu'il crève. Ok, bon flash out en vrai de la part du Gnar, je pense que du coup il survit, hein. Il est trop fini, il jouait le breaker en plus. Pourquoi ils ont pas tué le Gnar au top? Il pouvait pas. Il avait le breaker et donc le breaker quand t'es haut level, il était level 16 je pense. Il a énormément de stats défensives donc il a vraiment beaucoup de résistance. C'est très compliqué de le tuer, je pense qu'il l'aurait pas tué. Ok bon, l'Axel a quand même 4 items. Le problème c'est qu'il y a plus d'inhib quoi. Un peu chaud. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de pression Nashor, il n'y a pas de pression Elder. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est clean. Il est vraiment trop fort. Là, extrêmement bien joué. Il sait qu'il n'y a pas de vision, il arrête Trinket. Donc là il se met là, il a son flash encore une fois. Et son but c'est de flash in. Encore une fois pareil. Hein. Il se rapproche, il erre. Shurelia. Flash Z juste derrière le joueur. Ultra bien joué. Parfaitement positionné son Z. Bump. Applique le double charme. Dash out. Double shield ses alliés. Et pfff. Adversaire. La Kaisa qui a pris un risque quand même. Parce que ses mates en train de faire Nashor. Elle aurait peut-être dû attendre. Mais en tout cas, il l'a extrêmement bien puni. Là, il a plus de flash. C'est le plus dur. Le moment où il a plus de flash, c'est le moment un peu plus compliqué. Parce qu'il dépend plus, un peu plus de sa team. Forcément, il peut pas créer l'engage solo aussi facilement. Ok, le kick. Oh, propre. Le shield, le Z. Oh, le E. Il a réussi à E là-dessus. Quoi? Alors, je sais pas trop comment il a réussi à E. Parce qu'il se faisait bump par l'ulti de Azir, en tout cas propre. Et là, faut défendre. Hein. Faut mettre un maximum de shield. Faut pas qu'il prenne cette inhib. Hein. Ils en ont vraiment besoin. Là, Annie, faut qu'elle arrive à défendre. Elle est pas level 16. Elle a pas de flash. Ah, si, elle a son flash quand même. Faudrait vraiment qu'elle nous mette un bon move là. Ah, c'est la crise. Là, Annie peut créer l'engage cette fois. Et le Rakan peut follow up peut-être. On l'espère fort en tout cas. 3 inhibiteurs encore down. Force à eux. Il faut qu'elle flash T-burst le Azir à 100%. Ok, elle va le faire. Le bon dash, le bon Z encore une fois, tout pareil. Oh, le charme qui a... Il a dashé vers un mec et ça a charmé le Gnar au passage. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et c'était bien joué. La défense de donjon est compliquée. Hein. L'Axel est bientôt full stun, donc elle a quand même des vrais dégâts. Mais si elle meurt, c'est fin de game. Hein. Le Rakan n'a pas encore son flash, malheureusement. Il en a vraiment besoin. Il a fait un soir ardent pour une attaque speed à un mec. Bon, évidemment, c'est Xayah, on va pas se mentir. 129 de vision, ouais, 138 de vision. C'était une dinguerie. Hein. Alors qu'il a pas glaive des ombres, quoi. Ok, le Shurelia, mais il a pas de flash. Hein. Là, c'est plus dur. Hein. Là, le Shurelia est plus dur à placer. Il a Shurelia, il a mis la pression, mais sans flash, c'est très compliqué d'engager. Hein. Il aurait son flash, il aurait pu créer l'engage encore une fois, mais là, il a une minute sans flash. La game est tellement chaude. Ok, le dash. Ok, pas mal, il arrive à choper Azir quand même. Malheureusement, on manque de dégâts. La nuck. C'est dangereux. Hein. Le Gnar, il y va comme un sale.
Ok, pas mal. Belle ulti de Poppy pour temporiser. Ils vont perdre les 3 inhibes encore une fois. Ok, le grab sur Annie. Annie a la tête en Zonia. Ok, là, on a récupéré. Oh là là, la Xayah, elle découpe. Hein. On va revoir l'agression qu'il vient de mettre là au mid. Sachant qu'il avait pas son flash. Donc plus dur. Hein. Le dash. L'ulti. Il dash sur son mate. Et là, il potentiellement, il triple Z tout le monde. Fort heureusement, ils ont tous reculé. Parce que là, si jamais lui recule pas, il se fait charmer. Hein. Malheureusement, il a pas pu aller assez loin. Si la Poppy était un poil plus loin, ça aurait été parfait. Il aurait potentiellement pu toucher tout le monde. Ok, on va désengager ici. Ok, on va se heal. Il est bugué dans la base depuis 10 minutes. Bah là, de toute façon, ils peuvent pas sortir de la base. En vrai, la game, elle est quasiment unwinnable quand t'as 3 inhibiteurs down. Parce que l'adversaire va refaire Nashor, c'est normal. Ils vont faire l'elder si jamais ils ont accéléré les Drake. Si toi, t'as les Drake, ils vont pas faire l'elder, mais toi, tu peux pas vraiment push. Donc en gros, la seule chance, c'est... Oh, pas mal. Oh, ah, il est vraiment clean. Hein. Il est vraiment clean. Hein. Le R, le Z, le Z... Mais dans une game qui est quasiment winnable, hein. On va pas se mentir, là c'est pas vraiment la bonne gap. Hein. Ok, donc là on essaie de reprendre du push, c'est maintenant ou jamais. Oh putain de merde. Ok, le Gnar qui push pour aller menacer les T4. Donc il les force à back. Parce qu'il a le breaker, hein. Donc il est extrêmement tanky. Oh, ils vont cancel les back. Oh les bâtards. Ah, c'est peut-être fin de game. Oh putain, la Kessa s'est fait pisser à la gueule. Alors évidemment, elle a fait ça pour cancel les back. Hein. Pendant qu'on a TP de Azir au top. Là on se met devant, là le. Là vous avez vu à quel point il a trop bien joué, c'est que là il s'est mis devant pour empêcher que la Kessa ne puisse Z le Viego. Et il a réussi à la one shot avant. Non, c'est trop... franchement, il est trop fort. Hein. Là, il se met devant, il se met littéralement entre les deux. Comme ça, il peut pas la Z. Et donc, la caisse, elle a bien compris. Là, elle tente. Elle a bien tenté parce qu'elle a essayé le Z, Dashin et Q-spell. Mais bah, du coup, il l'a RZ. La Nick, il tente de temporiser. Là, on tente de triple back. Les Nautilus veut cancel encore. Bien joué, hein. Il cancel pour essayer de cancel. Il y a la Ironborn qui touche. La Poppy qui a bien TP. Oh putain, ils vont finir les fils de pute. Ok, il le repousse. Oh putain, c'est fin de game. Ah, c'est loose, hein. Ils auraient dû rentrer à pied. Au lieu de cancel les backs, au lieu d'essayer de back avec sa Xayah, je pense qu'il aurait dû courir. Ah, c'est fin. C'est fini, il y a zéro chance. Il va le détruire, mais il peut pas tuer tout le monde. Oh là 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 là. Ah, bien joué. Bah, la game était trop intéressante, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est trop fort, hein. Il est vraiment absolument monstrueux. Dites-vous qu'il a 72% win rate, les gars, sur son Rakan, contre les 100 meilleurs joueurs du monde, hein. Franchement, c'est vraiment terrifiant.